Il se passe quoi dans la tête d'un Marseillais qui débarque à Paris? Oh putain, il fait froid. Oh putain, les gens, ils sont fous. Oh putain, ils sont pressés. Aouh! 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 C'est le loup-garou, hein. Un Marseillais qui parle anglais, ça donne quoi? C'est un peu comme Eric Cantona. When you see the seagull in the sky, you will understand. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Un sujet improbable que tu maîtrises à 200%, les paris sportifs. S'ils avaient mis ça au bac, j'aurais eu la mention. Si Romain Le Frécilé était ton doux maléfique, il te dirait quoi? Redouane, espèce de fils de pute, t'es un fils de pute, Redouane. Tu comprends ça ou pas? Il paraît que tu étais propriétaire d'un cybercafé à Marseille. Raconte-nous. C'était mes débuts, c'était le début d'Internet. J'avais un cybercafé, il y avait tous les mecs de mon quartier, ils se retrouvaient à faire du caramel, à brancher des meufs en virtuel. L'expression marseillaise que les Parisiens ne comprennent toujours pas. Mon vieil. Loulou, dans un mot, bienveillance. Oh, la punchline de ouf. Le moment le plus gênant que tu aies vécu sur scène. J'en ai eu deux. Il y en a un que j'ai vécu, j'étais avec Roman. Il y avait une femme au premier rang, elle rigolait tellement qu'elle a perdu sa dent. Elle a rattrapé, elle l'a remise. Qu'est-ce qu'on a ri. Et le deuxième, je suis tombé de scène. Je jouais et je tombe de scène, je m'éclate par terre. Il y a une meuf au premier rang qui a fait « Ah, il est tombé comme une merde ». La dernière personne connue qui t'a pas follow back quand tu l'as follow, ben c'est Niska. Pouloulou. Toi, quand tu es devant un classico, que l'OM perd. Eh, nique ta mère. Nique ta mère. L'émission de télé-réalité qui te fascine le plus, c'est les Marseillais. Les Marseillais à Miami, les Marseillais à Pattaya, les Marseillais se marient. C'est pire que Martine, le truc, ça s'arrête plus. Selon toi, qui est la personnalité de l'année 2019? C'est Inès Reg. Je suis venu mettre des paillettes dans la boîte à questions. Ton chant de supporter préféré? Paris! Paris! On... Avec tous ces humoristes, comment on fait pour rester dans le game? On fait ce qu'on a à faire, on essaie d'être bon et c'est pas un 100 mètres, c'est du marathon. Yes. À gauche, à droite ou un petit bisou.